Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Tesso. Et nous sommes dans, dans Fan Racine, donc l'arbre au cœur du bois de Gratte, hein, avec le fameux roi Camoran. Ça doit être ça. Bon. Donc je savais pas trop ce que j'allais faire. Il y a la quête qui s'appelle l'honneur de la reine, donc il faut aller parler au prince, donc je pense qu'on va faire ça. Alors j'avais dit que je ferais aussi la suite de la vidéo, la suite de la vidéo, voilà c'est ça ici, non c'était ça, voilà, havre d'agitation. Donc du coup ce que je vais faire c'est, oh il y a tellement de choses à faire, c'est trop génial. Du coup, on va aller faire ça, on va faire l'honneur de la reine, tant qu'on est là, et puis on ira, putain qu'est-ce que t'es petit toi. Alors. Oui, Tresson. Ne restez pas là à bailler aux corneilles. Encore ? Ma sœur, la reine Eren, s'est stupidement engagée à bâtir l'ambassade des Khajiits il y a des mois. C'est l'ambassadrice Tarinwë qui devait s'occuper de tout à l'ambassade Altmer. Non, pas question de m'interroger. Pas après avoir tué la haute matriarche Estre. Vous pensez vraiment que je vais papoter avec celle qui a tué ma femme ? Que nous partagerons l'hydromel Sylph tout en riant un bon coup. J'imagine que je dois porter ce fardeau. Très bien. Je ne vous donnerai pas la satisfaction de mettre ma loyauté en doute. Vous vouliez en savoir plus sur les Khajiits ? Faut qu'il se détende, lui. Il va se prendre un coup de bâton dans les dents, il va rien comprendre. Demandez à un maçon. Je dois préparer la cérémonie de ratification avant l'arrivée de la reine Eren. Je n'ai pas de temps à perdre avec de telles broutilles. Si vous voulez en savoir plus, allez voir l'ambassadrice Tarinwë à l'ambassade Altmer. C'est un rituel archaïque des elfes des bois. Si elle se plie à leurs attentes, la reine Eren sera reconnue par les cieux comme étant une candidate digne de devenir impératrice de Tamriel. Une perte de temps, si vous voulez mon avis. Pour promouvoir l'harmonie, j'imagine. C'est sans doute pour la même raison qu'elle a choisi cette étrange cité sylvestre comme capitale du domaine. Oh, nous devons être unis face à nos ennemis, c'est sûr. Il nous faut absolument être dirigés par un haut elfe pour l'emporter. Mais faut-il pour autant caresser tout le monde dans le sens du poil ? Cette cérémonie de ratification, toute cette histoire d'ambassade. Encore des... C'est un rituel. Ouais, bon, d'accord. L'ambassade d'Altmer, où est-ce qu'elle est ? C'est ridicule. Et tu vas te calmer, toi ? Non, mais dis donc. Allez, allons voir ça. Vous n'êtes pas du genre à faire la queue, hein ? Putain, c'est vrai que je peux pas utiliser le cheval. Ok, allez, on est parti. C'est sympa, du coup, on était dans des espèces de forêts. En Oridia, on était dans des espèces de plaines, même pas. Je suis mort. Dans des espèces de forêts, mais c'est une forêt différente ici. Oh! Pas mal. Comment tu t'appelles, toi? J'aime beaucoup ta truc rose. Il y a certaines couleurs qui sortent vraiment dans le jeu, et quand tu vois passer un personnage avec une de ces couleurs, tu dis wow, pas mal. Ça flash en tout cas. Armurerie, donc c'est armurerie. Que je me suis trompé de chemin. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? Ah non, c'est bien là, d'accord, ok. Salutations. Salut. C'est quoi ton petit nom? Quelle barbarie! Ouais, que je fouille tout ça, tous les environs, tous les machins, que je prenne les quêtes. Mais on a le temps, on a le temps. Ouais, moi je prends tous les chemins, moi je suis un fou. Hein. Alors. C'est vrai que c'est sympa ces petits cocons. Du coup. Ok, d'accord. Souffre en silence. Ça fait plus jungle ici, je trouve. C'est plus jungle tropicale
que forêt. C'est pas là qu'il fallait que je sois. Ah oui, non, d'accord, c'est qu'il me dit que l'entrée est là, ok. Bien le bonjour. Bien joli tout ça. Pourquoi ils veulent... Ah, je crois que c'est des gens qui veulent parler. Ok, on va aller voir ça, on va essayer de régler les problèmes. Alors, y a-t-il des choses intéressantes dans les environs? Ah! Étagère! Non! Je pensais que c'était une étagère, mais apparemment c'est un vaisselier. Ouh, de la volaille. De la volaille. C'est tout? Y'a rien d'autre? Ah bah voilà, étagère. Non, non! Ce n'est pas seulement terrible, c'est tout bonnement affreux! Ça n'ira tout simplement pas. Qu'est-ce qu'il a à se plaindre, lui? Salut. Je ne sais pas du tout d'où vont venir les fonds pour ces projets, mais c'est mon devoir de les trouver. C'est dommage qu'on ne puisse pas ouvrir les... Tu peux voler la dague, mais à l'intérieur... Il y a des trucs qui sont un peu bizarres, je trouve, mais bon. Ça aurait été sympa de pouvoir crocheter les... Vous savez, crocheter les petites armoires comme ça. Ah. Madame, faut que je vous parle. C'est urgent. J'imagine qu'une vagabonde de votre acabit ignore la signification du mot occupé. Je vais vous montrer. Regardez bien, mais en silence et à distance. Pardonnez-moi, il y a tant à faire pour organiser la cérémonie de ratification de la reine Irène. Tout le monde est sur les nerfs, vous pouvez le comprendre. Enfin, si le prince Némon vous envoie, c'est que ce doit être important. Que puis-je faire pour... Qu'est-ce que le prince Némon en a à faire? S'ils sont trop paresseux pour construire leur propre ambassade, ne peuvent-ils pas se payer une auberge? Eh bien, je... Et évidemment que j'ai ordonné sa construction. J'ai embauché des elfes des bois pour extraire la pierre, et j'ai mis de côté des matériaux pour les cagites. Ce n'est pas de ma faute si les gens du coin n'ont pas fait leur travail. Vérifiez dans notre salle de rangement. Les cagites ne se sont même pas donné la peine de récupérer les matériaux. Pendant ce temps-là, je vais aller retrouver le prince Némon. Si je constate que ce n'est pas lui qui vous a envoyé, je vous enverrai devant la justice du domaine. Fais pas trop la petite malinois, toi, ce qui va t'arriver des bricoles. Alors, regardons un peu ça. Que le prince Némon pense de vos questions impertinentes. T'as lu? T'as pris de la drogue ou quoi? C'est une statue, hein, elle va pas bouger, hein. Tu peux rester là autant que tant que tu veux, elle bougera pas. Hein. Bon, bref. Il y a des gens qui font ce qu'ils veulent. Alors, fan racine. Moi, je vois bien un petit cristal juste là, quelque part, non? Non? Évidemment, je peux pas sauter. Ah, si je peux sauter. Ah non! Mais non, on tape. Ah! Importation rare. Bon, mais c'est toujours sympathique à prendre. Alors, tiens, allons voir où sont ces foutus matériaux. De quoi avez-vous peur? Des paroles? Halt! L'accès à la salle de rangement est interdit sur ordre de l'ambassadrice Tarinway. Ah bon? Pas de souci alors. Montrez-moi son autorisation et je vous laisse passer. Dans ce cas, je ne peux pas vous laisser passer. Ses instructions sont très claires. Personne ne rentre sans autorisation écrite. Les Khajiits pourraient se révolter. Ce serait une sacrée urgence, ça. Ou un incendie, bien sûr, mais bon, il y a peu de chances que ça se produise. Je... Hein? Vous avez entendu ça? J'aurais juré que c'était mon capitaine qui m'appelait. Il a eu peur. Je lui ai fait peur. Je l'ai intimidé.
Oh. Ils en ont vraiment rien à foutre des autres races, hein. Heureusement que je suis là. Hein. C'est tout? Bon. Tiens, juste par tentation. Mais là, c'est vraiment par tentation. Oh, sympathique. Ça promet plein de bonnes choses, ça. Ça me plaît bien, toute cette histoire-là. Ça me plaît bien, cette histoire. Bon, attendez. Est-ce que je peux sauter comme ça, comme un fou? Oh, je peux. Ah, ah. C'est bon, je gère. Où est le garde? Et que faites-vous ici? Je croyais que vous régleriez les problèmes de l'ambassade, pas que vous en créeriez de nouveaux. Avez-vous la moindre idée de ce qui se passe? Peu importe. Expliquez-moi ce que vous faisiez dans cette salle de rangement. Pourquoi a-t-elle demandé cela? Oh, peu importe. Alors, qu'avez-vous découvert? Corruption bureaucratique typique. Je m'attendais à mieux de la part de l'ambassadrice. Quoi qu'il en soit, il est facile de remplacer des matériaux. Et pour l'ambassade des Khajiits, a-t-elle expliqué pourquoi la construction n'avait pas encore commencé? Qu'est-ce que vous voulez dire par « récupérer des pierres »? Ça aurait dû être fait il y a des mois. Il devrait déjà être prêt à construire. Je vais parler moi-même à l'ambassadrice. Je vais lui apprendre à craindre le domaine. C'est surprenant que nous ne nous soyons pas croisés sur la route. Rendez-vous à ces ruines et retrouvez cette équipe d'ouvriers. Je veux savoir pourquoi ils n'ont toujours... Allez, c'est parti. Où est-ce qu'elle est cette ruine? C'est scandaleux, ça, quand même, cette histoire. Non, mais dis donc. Pas foutu de faire quoi que ce soit, cette ambassadrice. Ouais. Ah. Ils l'ont mal vécu. D'accord. Vous là, nous devons avoir une conversation. Qui me parle? Ah. Quand je vous ai aperçu avec le cadavre d'un elfe des bois à vos pieds, j'ai bien failli vous décocher une flèche en plein gosier. Azareth, rôdeur de Voileronce. Nous travaillons directement pour le roi Camoran Aeradan. Je vous ai vu un peu plus tôt dans la salle du trône. Le roi a des soupçons concernant les ouvriers disparus, et il m'a demandé d'enquêter là-dessus. On dirait que cette affaire nous concerne tous les deux. J'en sais assez. Les Khajiits ont le droit à une ambassade. Ils sont furieux que les hauts elfes traînent des pieds pour la construire. Ça semblait n'être qu'une histoire politique, jusqu'à ce qu'une dizaine de maçons disparaissent, sans laisser de traces. Le roi m'a envoyé pour découvrir ce qu'il en est. Avant l'avènement du domaine, le roi Camoran Aeradan a failli perdre une guerre civile. Je suis venu voir si les maçons disparus n'avaient pas été victimes de la rébellion Sève Noire. Par contre, les Sèves Noires auraient laissé les corps bien en évidence. Ils ne les auraient pas abandonnés aux Vargrisons. Le roi pense que l'ambassadrice Tarinoué manigance quelque chose. Des petits détails, certains de ses contacts. Hélas, il ne peut pas accuser ses alliés de vouloir faire vaciller toute l'Alliance. L'ambassadrice Tarinoué faisait appel à des criminels pour faire passer des marchandises en douce. Jamais de manière directe, mais nous l'avons quand même remarqué. Je ne dis pas qu'elle a fait tuer ses maçons, mais j'aimerais lui poser la question en personne. Si elle a quitté l'ambassade, c'est qu'elle sait qu'on la soupçonne. Elle va se faire discrète, essayer de s'enfuir, faire en sorte que quelqu'un la sorte du bois de gratte. Nous devrions l'arrêter. Ok, alors. Je vais juste voir le niveau des ennemis.
Ouais, je pense que ça va le faire, un point de vue ennemi. Ça va le faire. Alors, du coup, il m'a demandé de le retrouver où, lui? Donjon creusé des aînés, ouais. Ta-ta-ta. Là, ok. Je sens que j'ai beaucoup aimé cette zone. Ah non! Je sens que j'ai beaucoup aimé cette zone si elle ne me tue pas directement. Ça va le faire. En tout cas, il y a l'air d'avoir plein de petits donjons, plein de petits machins autour du truc. Ça va être sympa. Ah non, c'est pas le même. Ça a l'air d'être là. La coquillère. C'est sympa. En tout cas, il y a l'air d'avoir plein de petits donjons, il y a l'air d'avoir plein de petits antres, plein de petits machins aux alentours. Du coup, ça va être bien pour l'exploration. On va faire pause, ça ira plus vite. Ok, bon alors, où est-ce qu'il... Là. On appelle cet endroit la coquillère, car c'est là qu'atterrissent tous les déchets. Nous déblayons de temps en temps, mais ils reviennent sans cesse. Un mal nécessaire à ce qu'on dit. J'ai parlé à quelqu'un de confiance. Elle s'y trouve, c'est certain. Nous la capturons, et nous la ramenons pour interrogatoire. Il nous faut... Des contrebandiers, des drogués au Skooma et une belle brochette de criminels. Il reste plutôt tranquille. Notre but est de trouver l'ambassadrice Tarinoué avant qu'elle ne trouve un moyen de s'enfuir du... Ok. Alors, on est parti. Il y a l'air d'avoir deux chemins, je prends celui-là. Vous avez de l'argent ou un peu de Skooma? C'est triste cette histoire. Je cherche mon tapis. Je l'ai envoyé à mon fils il y a quelque temps et puis je suis venu ici. D'accord. C'est normal. Oh, c'est déchet de la société. Tranquille. Je vous en prie, libérez-moi. Mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es... Oh là là. Apparemment, il y aurait quelqu'un d'enfermé, c'est ça, si j'ai bien entendu quelqu'un. Alors, où est-ce qu'elle serait enfermée, cette personne? Ah. Je vous en prie, il pourrait entrer dans la tente à tout moment. Des bandits, à cause d'une terre qui leur appartiendrait. Comme si la terre appartenait à quelqu'un. Je ne sais rien de plus. Laissez-moi... Bah oui, je suis gentil, quand même. Non, mais... Merci. Je m'en vais, loin d'ici. Vas-y. Pile comme le vent. Alors, du coup, il y a encore des petits bâtards par là. Ça va faire chain d'affaisse, motherfucker. Ah. T'as rien compris, hein? Oh, ils sont morts l'un à côté de l'autre.
Si, c'est pas mignon. Du coup, j'en étais où, moi? Soit je descends là, de toute façon, ça fait un tour. Donc, mais je sens plus par là, moi. Ouais, comme ça, là. Ah, je pensais qu'on pouvait lire. Ouais, on est parti. Tu sais que tu me saoules, toi. Avec tes petits miaou tout le temps, tu me fais chier. Mais je t'aime bien, t'es mignon, t'as de la chance. Ces démangeaisons. Oh là là, oh là là. C'est joli ces petites fleurs, c'est dommage qu'on ne puisse pas les prendre. Ah ouais, comme ça. C'est bien ça, j'ai rien à faire. Du coup, je suis un peu en train de fouiller tout le machin là. Histoire, il y avait peut-être des trucs à trouver, on sait jamais, hein. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ah, il n'y a rien. Oula. Ils ont l'air pas en bonne santé quand même, hein. Espèce de vieux tox. Alors, on va continuer comme ça et je pense qu'elle va se trouver là-bas, je pense, hein, je sais jamais. Ah, recette de thé, ça c'est ce qu'il me fallait ça. Alors j'en ai pas encore utilisé beaucoup, mais c'est toujours agréable de trouver des recettes. Voilà, parfait. Plus jamais je ne me sentirai bien. C'est triste comme histoire. Il nous faut l'ambassade. Là. Ah. Cette chose a l'air de dormir. On va le laisser tranquille. Yeah, niveau 20! Niveau 20! In your face, motherfucker! Ah! Héroïne de niveau 20, et de niveau 20, niveau 20, niveau 20, 20, 20, 20, 20, niveau 20. Tout ça tranquillement. Du coup, maintenant j'ai 2 A compétences. Magie, bah oui. Moi je suis un fou de magie, vous savez. Voilà. Alors par contre, du coup, est-ce que j'ai débloqué un... compétence de elf? Bah voilà. Bah voilà, déjà un. J'en ai encore un. On verra ça plus tard. Ah, la garce. Le prince Nemon a envoyé quelqu'un à l'ambassade. Nous devons partir avant qu'on nous trouve. Il est trop tard. Pour l'héritage.
C'est ça, ouais. Encore cette foutue étage voilé, hein. Il casse les burnes, hein. Tout le temps, il cause des problèmes partout. C'est hallucinant. C'est hallucinant, les amis. Bref. Vous venez avec moi. Il est tout petit. Où voulez-vous m'emmener? Devant le roi Camoran Aéradan, à qui vous répondrez de vos crimes contre le domaine. Il me fera tuer et dévorer pour le dîner. C'est bien, ça. Seulement si on vous reconnaît coupable. Et dans ce cas, personne n'aura envie de vous manger. Et maintenant, en route. C'était agréable de travailler avec vous. Je me charge d'elle maintenant. Pas de soucis. Vous devriez prévenir le roi de la bonne nouvelle. D'accord. Allez, hop, on va voir ça. Allons parler avec ce fameux roi. Prince. Ah non, c'est le roi, oui, t'as le roi. Ouais, parce que, évidemment, chaque faction a sa... a son roi reine. Ah, mais j'ai pas été par là. Bon, il doit pas avoir grand-chose d'intéressant. Aïe. C'est par où? Par là. Enfin, je crois. Bah non, c'est par là. Brûlez ça. Ça a l'air d'être par là. Oui, je sais, vous me tapez dessus, mais c'est pas grave. Mais je m'en fous. Je suis un fou, moi. Ouais, je sais que tu me tapes dessus. Allez. Tu veux te battre? Voilà, voilà. C'est quand je me bats que tu te casses, putain, mais... C'est grave, ça. Non, c'est bon. C'est que je m'en sortais plus à la fin. De la viande. Je me soucie même plus de sa provenance. Il n'y a plus qu'à parler au prince, au roi. Quoi que c'est bien, c'est le prince qui nous a demandé de faire ça, non? Écoute, on verra bien. Pardon. Ouh. Je commence à vous dire. Allez, vas-y, charge. La brume s'est levée. Vestige. Le chemin qui s'ouvre à nous est limpide. Mais il est sombre et tortueux. Venez au port. Nous avons un invité inattendu qui réclame votre présence. D'accord. Ça, c'est parce que j'ai passé niveau 20. Ok. Par contre, du coup... je vais faire ça. Voilà. Ça aussi. On va aller parler à la salle du trône et puis on fera... Oh, j'en sais rien, on verra bien ce que j'ai envie de faire. On verra. Aujourd'hui c'est free. Je suis free, je suis tranquille, je fais ce que je veux. L'oratoire de Fenracine, j'avais déjà eu celui-là. Je ne sais plus. Si elle était là, mais elle a déplacé ses dragons laissant la ville sans défense. Tu parles de Daenerys? C'est ça? Ah, bon, je pensais. Le général Endare est une héroïne. Elle n'abandonnerait jamais Havre aux pirates. Ouais, bon, on va y aller, c'est aussi à Havre. Il va falloir botter le cul aux pirates. Moi, je suis un fou, moi, je suis un gueudin, moi. Ah, bonjour, Stat. Enfin. Ah, voilà, parfait. Oh, tout le monde est en noir! C'est tout des rouges gardes. Oh. Désolé, c'était pourri. Bien le bonjour. Qu'est-ce que c'est que c'est? Il y a encore une salle au-dessus? Ah non, c'est que les trois salles. Eh, toutes les portes mènent à Rome. Enfin, mènent à la salle du trône. Je
Oui, je suis là. Devons-nous attendre encore longtemps? Oh, mais lui, il m'énerve, lui. Impatient, ouais. Vous êtes de retour. Qu'avez-vous à... Oh, bien! J'adore parler de conspiration. Est-ce que l'ambassadrice avait des tracts sur elle? Ils ont souvent des tracts. Bref, j'imagine que vous avez résolu le problème. Splendide! Je vous laisse l'honneur d'en informer le prince Némon. Pourquoi ne pas lui annoncer que l'ambassadrice des Hauts Elfes, dûment sélectionnée, complotait contre le domaine qu'elle avait juré de servir? Pendant ce temps, je tâcherai de ne pas ricaner depuis mon trône. Eh, lui, il a raison, mais c'est un connard. Il a raison, mais c'est un connard. J'ai entendu ce que vous avez dit au roi. L'ambassadrice Tarinwë est une traîtresse. L'assassin de ma femme, un loyal serviteur. Et moi, en tant que représentant de la reine Eren à Fanracin, je suis censé vous remercier. Très bien. Je ne commettrai rien qui puisse jeter un doute sur ma loyauté envers le domaine. Nous interrogerons l'ambassadrice Tarinwë jusqu'à déterminer toute l'étendue de sa trahison. Puis elle mourra, comme il est d'usage pour les traîtres. Mais peu importe. Votre efficacité dans la résolution de cette affaire fut louable. Et le domaine récompense ses serviteurs. Merci bien. La trahison de l'ambassadrice Tarinwë n'aurait pu être plus abjecte. Elle connaissait les modalités de la cérémonie de ratification. Ce qui met la reine Eren en danger. C'est la faute de ma sœur. Elle pensait apaiser le Sylvenard et la Grande Crinière en consentant à ce protocole ridicule. La cérémonie de ratification s'achève avec le planétaire, un antique appareil sous Fanracin. Il évalue la capacité de la reine Eren à devenir impératrice ou quelque chose dans le genre. Mais l'ambassadrice Tarinwë a assisté aux préparatifs. Je dois partir du principe qu'elle a essayé de saboter la cérémonie. Tout report affaiblirait le statut de la reine Eren. Non, nous devons continuer. Vous avez prouvé votre compétence, alors je vais vous demander de parler à Meleras. C'est un expert du planétaire. Il sait ce les préparatifs okay. En vue de... Bon, on va se quitter ici, les amis. J'espère que ça vous a plu. On se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit commentaire et salut tout le monde. A plus.